des enjeux, il y avait des agements, il y avait des spectateurs. Donc, du côté des vrais, par contre, la contre-attaque, c'est Gosselin qui s'amène devant. Oui, 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 Gosselin qui est entré en contact avec le gardien Benjamin. Il est avec le disque, là, qui est allé de l'autre côté, c'est pour Landry. Landry, là, j'ai coupé contre-attaque à deux contre un, c'est Bacard, en position du disque, allez, Lucien, le tir. C'est hit de Lucien sur une balle de centre à deux contre. Par les riverains. Peut-être un 2 contre 1 cette fois du côté du Collège Charlemagne. Bon jeu, arrête de la joie avec la jambière gauche sur ce tir. C'était Félix-Antoine Marcotti qui s'est amené. C'est ce qui va coïncider là, avec le retour de Félix-Antoine Marcotti. On évolue maintenant à 5 contre 5. Donc les Estacades qui ne sont pas parvenus à profiter de ce premier avantage numérique. Dès la reprise du jeu, c'est Marcotti, le tir est beau. Félix-Antoine Marcotti. Dans l'enclave, tenté de remise vers Bocage, la passe qui manquait de précision, la rondelle qui sera récupérée par les riverains. Contre-attaque, là, c'est Martin qui s'amène, tente un tir, retour récupéré par Marcotti, deux arrêts de Benjamin Lajoie qui ne donnera pas de retour. Récupéré par Raphaël Gagnon, remis sur sa gauche et pour Sivigny, longue passe. C'est capté par Desruisseaux qui s'amène, contre-attaque à deux contre deux. Desruisseaux tente un tir, ça dévient, on est là devant, on est là! Bonjour, ici Guillaume Matendresse. Je vous invite à assister au prochain match de votre équipe préférée de la Ligue de développement du hockey Midget 3 du Québec.